Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci d'être aussi nombreux de nous suivre sur notre chaîne Vie Désertique. Mon équipe technique et moi, nous sommes déplacés pour voir le pasteur Vie Désert, question de prendre la température de l'événement qu'il a organisé chez lui. Pasteur Vie Désert, bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, ma bien-aimée, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Que pouvez-vous nous dire à propos de l'événement que vous avez organisé chez vous? En tout cas, l'événement se passe très très bien, la température est très élevée, nous sommes déjà... aujourd'hui vendredi, donc la convention vient de démarrer il y a deux jours de cela, donc nous sommes aujourd'hui vendredi. Le premier jour nous avons eu trois intervenants, le deuxième jour trois intervenants, ça se passe très bien. Alors le premier jour nous avons eu le révérend pasteur Ndinga de l'Angélie ici, et nous avons eu en deuxième position le révérend Eric Massamba, et en troisième position nous avons eu le pasteur Dodo. Voilà, Dodo du Gabon, voilà. Il a été une grande bénédiction pour nous. Le pasteur Dodo nous a prêché la parole de Dieu avec les autres. Ça a été formidable. Alors, le deuxième jour, donc hier nous avons eu le révérend Rouge-Gorge, pasteur Rouge-Gorge ici. Nous avons eu aussi le révérend Moya, puis le pasteur Charmant de la Pierre de Fête, le co-pasteur du pasteur Massamba. Et je vous assure même que le pasteur Massamba déjà s'apprête. Donc lui aussi il va intervenir aussi à la convention. Ça se passe très bien. Et ce que j'ai vraiment aimé d'abord, avant qu'on évolue un peu à autre chose, c'est que l'événement se passe bien, dans un esprit calme, les gens sont disposés, et il y a des cris de joie, le peuple est content, et nous sentons la fête. Et vous sentons que nous sentons que c'est une convention digne de ce nom. Parce que les prédicateurs sont en train de bien gérer leur temps, bien gérer aussi leur... comment on appelle ça, leur thème, donc ça se passe très très bien. Donc, mais seulement, bon, il y a une chose, comme on couperait le temps, il y a une chose que je voulais un peu ajouter, c'est la mort du pasteur Lys Ngalibali, vraiment. Oh Seigneur, nous avons perdu l'ancien, on a perdu un baobab ici à Brazzaville. Le pasteur Lys quitte la terre le jour où même la convention a commencé. Donc nous avons observé une minute de silence pendant la convention. Et voilà, donc ça se passe bien la convention, mais vraiment, nous disons paix à son âme. Et vraiment, j'ai déjà composé un chant, mais je pense que c'est après la convention, vu les occupations que j'ai. Donc le studio est déjà prêt, j'ai déjà donné les histoires, la mélodie est déjà prête et tout. Donc nous allons faire un son après ici. Merci beaucoup. Et donc, quel est votre souhait pour le reste? En tout cas, pour le reste, nous voulons que les gens viennent encore, parce qu'ils étaient déjà nombreux, mercredi et jeudi, vraiment, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Et nous demandons encore vraiment aux bien-aimés de venir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi, ça continue. Nous aurons encore des baobas qui vont prêcher, mais je suis en train de faire la part, hein, je prends les jeunes et les anciens, pour que vraiment la chose soit un peu parfaite, qu'il y ait vraiment de l'équilibre, parce que... Et je bénis le Seigneur pour les anciens. Les anciens sont en train de devenir nombreux. En tout cas, ça me fait de la joie de voir les anciens se déplacer. Sincèrement, je ne pourrais pas citer tous les anciens. Pasteur Mayala, Pasteur Massambi, Pasteur Bateta. J'ai même vu le Pasteur Mav qui a quitté Kinshasa, qui a traversé pour l'événement. Pasteur Dodo a quitté Gabon, il est venu. Le Pasteur Franck est là. Vous voyez, donc il est en train de faire la modération. Ça se passe très très bien, vraiment. Ils sont tellement nombreux, je ne pourrais pas citer, et les hommes de Dieu. Sincèrement, c'est merveilleux. Amen. Amen. Donc, vous avez écouté le pasteur Vie Désert. Venez très nombreux pour recevoir votre part de bénédiction. Continuez à nous suivre sur Vie Désert.